a commencé because God avec la parole. Has started with the word. Qu'il a dit que commencement et that's what the Bible says. La parole. The beginning. At the beginning, the word. Dans le fondement, the foundation, la parole doit exister. The word must exist. Parce qu'on dit au commencement était la parole. Because the beginning. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. The word was with God and the word was eternal. Je dis merci encore à notre pasteur. I say thank you to our elder. Merci. On va travailler ce matin ensemble ce soir. We are going to work together this afternoon. Je considère que voici le village. And I consider that here is the village. Pour bien expliquer, vous savez quand vous ne comprenez pas les actions d'un prophète, to be more explicit. Amen. You do not have to consider me. La Bible what I'm going to do is mystical. J'ai étudié quand il y a eu licence dans ça. I have the Bible in my head. Mais je suis prophète. Parce que prophète, c'est les actions prophétiques. René, je vous explique quelque chose. I'm a prophet. René, le Jean, le chapitre 9. Jean, chapitre, chapitre 9. Je considère qu'il y a 5 villages. I consider that we have 5 villages. 5 familles plutôt. 5 families. Il ne doit plus exister la présence des mangeurs d'âmes dans les familles. The sorcerers. On dit amen. Oui, mais dans qu'est-ce no qui more a été have fait? To exist here. Regarde, tiens compte de ça. Vous savez tout à l'heure, on a lu dans Deutéronome 32, le verset 1. Il dit, cieux et terre écoute. Il faut que la terre et le ciel enregistrent cette action. Si ça n'a pas été fait, le débat continue d'agir. Or, il faut qu'on ferme. Amen. C'est ce qu'ils l'ont fait. C'est ce qu'on a fait à Zaroko, c'est ce qu'on s'est fait partout. Et je vous disais comme ça, c'est pas tout le monde qui consacre un village. Il faut avoir le remarque. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut introniser un chef. C'est pas tout le monde qui veut introniser un président de la République. Il faut avoir ce pouvoir. You have to get the power. Amen. Allons-y dans Jean le chapitre 9, écoutez très bien. John chapter... Vous n'êtes pas mal interprété cette action. Nous sommes à une cérémonie, c'est un village, j'en profite pour faire un culte. We are having a service. Et j'en profite pour vous dire en même temps ceux qui veulent nous inviter dans les villages, c'est en période de vacances. Just to tell you that those who want to invite us. Villages, nous allons remuer un peu les sorciers de vos villages. Only this period, you can invite us. Amen. Amen. Allons-y le chapitre 9. Jésus vit en passant. Un homme avec de naissance. On dit Jésus vit as he was alone. He saw a man blind de naissance. From birth. His disciples asked him. Ses disciples lui firent cette question. His disciples asked him. Rabbi. Aussi, cet homme ou ses parents. This man or his parents, pour qu'il soit né aveugle, oui. That he was born blind. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Neither this man nor his parents sinned. Et c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. He was born blind so that God's word might be revealed in him. Il faut que je fasse tandis que les jours. We must work the works of him who sent me. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Night is la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, as long as in the world, je suis la lumière du monde. I'm the light of the world. Après avoir dit cela, when he has said this, il cracha à terre, he spat on the ground, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. And spread the map on the man's eyes. Sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit. Saying to him. Va. Go. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Wash in the pool of Siloam. Il y alla. Mm-hmm. Which means se lava. Then he went et and washed. Retourna voyant and elle. Came back able to see. Amen. Alléluia. Regardez Jésus-Christ. Lui-même Jésus qui est la guérison.
Jésus, c'est lui la guérison. Jesus is healing. Il est lui-même la guérison. Healing himself. Il y a un témoignage dans la Bible. Il y a une femme qui avait perdu le sang, pendant 12 années. The testimony in the Bible. Elle a dit, mais si je peux toucher son vêtement, je n'ai pas besoin que Jésus me pose la main. If I could touch Jesus. C'est lui la guérison. Because Jesus is healing. Dès qu'elle a touché Jésus, when she la perte du sang s'est arrêtée. The blooding, the blood. Quand Jésus a rencontré Bartimée, Jésus n'a pas utilisé la boue. Jésus a dit à Bartimée que cela soit fait selon ta foi. Even if Jesus said to Bartimée, et Bartimée a vu. You have to do it. Mais regardez cette fois-ci. According to your wish. Jésus change de méthode. Jesus is changing methods. Spitting. Il prend la boue, la salive, il fait une boue et il applique ça sur les yeux de l'aveugle. And put it on the man's eyes. Amen. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, la diversité d'opérations. Dieu n'est pas limité dans sa manifestation. God is not limited in his demonstration. Si tu penses que chez toi, on ne fait pas cherche chez vous, mais dans la Bible, on fait. We do it in the Bible. Or, chez nous, ça doit être dans la Bible. Et les gens ont toujours tendance à dire chez nous. People used to say. Pour ça, l'exemple biblique. Vous n'êtes pas que les gens étaient presque sur mon temps de faire. So that people could not. Nous sommes en train de repositionner le village. We're giving a new position to it. C'est différent de prier pour le village. It's different from praying for the village. Do you follow me? Nous sommes en train de repositionner les fondements. The foundation. C'est différent de on prie. It's different. Et quand on positionne, il y a des actions. And when we give new position, we have actions. Or ces actions-là qu'on appelle actions prophétiques. And we call them prophetic collections. That's what the sky taken to account. Amen. C'est les familles qui constituent un village. Families constitute a village. C'est à partir de familles. Apart from village, the families. La sorcellerie. The people operate. La sorcellerie, vous voyez là. With witchcraft. Ils agissent en famille. And they act. Si y en a cinq familles. In families. Ça veut dire qu'il y a cinq groupes. If we have five families, I mean that we have five. Ils s'entendent très bien. They understand each other. Il y a cinq groupes de sorcellerie. Five groups of witchcraft. Et dans les cinq groupes là, in il y a un groupe. Five groups. Et ce groupe là, ils font un seul groupe quelqu'un. Il va commencer à être celui là qui fait partie de la confrérie régionale. We can take just one person. Familial to régional. Donc si quelque chose a été neutralisé au niveau de la famille, if something has been destroyed, l'esprit ne peut plus contre ça. From the family, so people cannot reach you again. Je suis un expert en démologie, ça dit délivrance, c'est pas de l'orgueil de un expert. Un expert. Je fais délivrance du corps, délivrance des sorciers, je connais comment ils travaillent. C'est pour ça que la Bible dit vous serez pour ennemi les hommes de votre maison. That's why the Bible says your enemies will be. Ça va commencer d'abord par la famille. Those living with you. Ça, quand vous écoutez très bien les aveux des sorciers, that's why la sorcellerie dans famille d'abord. Sorcerer's confessions. Alors si votre famille, if your family, la chose n'a pas été neutralisée dans la famille, mais c'est grave. The action, if the actions were not stopped in your family, la représentation des familles. Apart from the representation of the different families, amen. Une fois c'est neutralisé, nous allons maintenant vous consacrer pour dire désormais, and then after telle famille, le bonheur, la bénédiction, so that you can have happiness, alleluia, and blessing. Et symboliquement, je vous ramène des choses. Symbolically, I'm going to give you some things. Et puis je vous expliquer l'importance de la chose. And I'll explain you the importance. Amen. Mais lisez Deutéronome, le chapitre 32, le verset 1, la parole. Approche. Vous savez le palmier, vous voyez là. Bibliquement parlant, c'est le symbole du chrétien. Le palmier. Quand il pousse là, il va tout droit. N'est-ce pas? Vraiment, la vie des gens sont tordus. Or, tu dois partir comme ça. Personne ne doit t'arrêter. C'est pour ça que symboliquement parlant, il y a ce qu'on appelle le rameau qu'on va vous donner. We're going to give you a twig. Pour que désormais, so that que ça soit toujours la tête.
et personne ne vous arrête dans l'élan de votre bénédiction et votre prospérité. In your blessing, in your prosperity. Parce que si vous n'êtes pas délivré depuis la source, if you're not delivered, Grenier, et pas from Grenier, vous aux États-Unis, ça serait quand même you can even be in the United States. You'll be like a bird in a cage. A prisoner. Vous serez le même dans une autre prison aux États-Unis. Côte d'Ivoire to another jail in the United States. Être dans un endroit où on prospère. J'ai l'impression qu'il te donne une case. Il prospère pas. Parce que depuis la source, tout a été fermé. Because the source. Que ce qui intéressait is closed. Élisée, quand il y avait la malédiction, c'est la source qui l'intéressait. When there was the curse, la source des eaux. Elisa was interested by the source. L'événement a une grande portée. That's why. À partir de Grémia, tous les ressortissants de Grémia, que tu sois présent ou pas, ça va te rejoindre cette bénédiction. From Grémia, nous sommes venus vous délivrer. L'esclavage spirituel reach you. Et vous faire sortir de la prison. Amen. Spiritual slavery. Alléluia. So that you can be out. Pour que vous, non seulement soyez bénis, vos enfants, vos petits-enfants, children, parce qu'on peut hériter d'une malédiction. Because we can inherit. On a l'impression que ce qu'on a vécu, l'enfant vit ça. So that je you are pas living pas. Even your son, et tu n'arrives pas à rejoindre les and démons. You don't understand what's happening. Parce que simply because les fondements de ta vie sont renversés. The foundation of your life is turned on. Tout s'écroule. The foundations are turned. Quand quelque chose de bon vient se positionner chez toi, ça s'écroule. Parce que les fondements sont renversés. Je vais régler toutes choses au nom de Jésus. I'm going to regulate everything in the name of Jesus. Amen. Je vais régler toutes choses au nom de Jésus. I'm going to regulate everything. Et vous serez bénis au nom de Jésus. And you'll be blessed in the name of Jesus. Alléluia. Donnez-moi les rameaux. Give me the twig. Amon Saléo. Amon Saléo. Amon Saléo. Je vous ai bien expliqué, c'est pas petit chanter de toi. Hein. C'est action prophétique. Amon Saléo. Amour, amour, bien, bien. Amon Saléo. Our Father here. Nous reprenons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 32, le verset 1. It's from the fairy tale.
Laisse-le finir. Deutéronome 32, le verset 1. Cieux, prêtez l'oreille. Give ear, O heavens. Et je parlerai. And I'll speak. Terre. Écoutez les paroles de ma bouche. Let the earth hear the word of my mouth. Amen, je vous dis. La terre. The land. A des oreilles. Amen. Amen. Ce qu'ils auront fait. What we are going to do. La terre va enregistrer. C'est parce que les gens font des vilaines choses. It's not because we are Lorsque doing bad things. Lorsque tu prends les hôtels sataniques et ça demeure, c'est ce qu'ils auront renversé. We are going to turn down. Dans le nom de Jésus. Et nous avons medieval actions in the name of Jesus à l'éternel, à la vie, and establish. Amen. Nous allons dire à notre patriarche. Let's talk to our elder here. C'est parce que les gens ne savent pas qui il est. It's simply because people don't know who elder is. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont liés avec ça. Ouvre-moi la bouteille. Il va prendre c'est de l'huile consacrée. Anointed oil. Venir voilà son oreille. Come and speak to him, please. Non, faut parler. C'est qui j'en ai dit là. Avant qu'il ne verse, faut lui dire parce qu'il a l'habitude de verser peut-être la liqueur. Sometimes he used to pour avoir l'huile consacrée. Cette huile a enregistré certainement des choses. Il faut que les choses n'avancent pas dans le village. Nous prenons témoin le ciel, cette terre, à partir de cette date, à partir de cette heure, si nous
nous anéantissons et neutralisons toute forme de malédiction sur ce village. J'annule la pauvreté, la misère, le non-aboutissement au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je livre tous les mangeurs d'âmes au jugement de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont pouvoir s'élever, désormais sur la terre des Kenya, pour pouvoir détruire une âme, pour entendre le châtiment de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et cette terre enregistre cette parole, Lévis. Au nom de Jésus-Christ, Lévis. Que j'ai prié. Register. On dit Amen. Amen. Je demande à chacun de nous une bouteille. Ouvrons la bouteille. Vous savez, un champion lui donne un flambeau. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il donne un flambeau. Il dit, c'est comme ça, on reconnaît que vous êtes champion. Winners. Normally, give a reward to every champion. Dieu n'a pas créé les plaisantins, parce que lui-même n'est pas un plaisantin. Amen. Dieu nous a créé comme des champions. God has created us champions. C'est la méchanceté des gens qui fait d'aujourd'hui de nous des vauriens. It's simply because of people's wickedness. Parce que la Bible déclare que tout ce que that we are in trouble today. Donc je viens vous redonner ce titre de champion. I'm here to give you back. Parce que la vie est faite de combats. Vous allez gagner tous les combats. Amen. And you're going to fight. La victoire. Tous les combats de la vie. Amen. Vous allez remporter les combats, vous allez toujours les gagner au nom de Jésus. And you will always be the winners. Vous allez toujours gagner les combats. Always winner. Devant la pauvreté, vous allez gagner le combat. Against poverty. La prospérité, la richesse. Victory. Devant la mort, c'est la victoire sur la mort. Against la vie. Death. Tous ceux qui vont vouloir s'élever contre vous. Over death. Que cette parole est Isaïe 34. Le verset 17 s'attache à vous. Amen. Je vais vous donner le flambeau and you must be protected by the sun de champion. Amen. Parce que la vie est faite de combats. Quand on reconnaît un champion, on lui donne le flambeau. Symboliquement, a champion is recognized by the rewards. C'est ce que je vais faire. That's what I'm going vous to donner. Do. Give you. Les choses vont changer. Amen. Vous allez reprendre so votre trône. Vous êtes des rois sans trône. You are oh, without ce qui caractérise un roi, c'est le trône. The major fact of the king. C'était le problème avec David et Saül. It's like the problem with David and Saül. David était un roi, was mais sans trône. Without the throne. Oh, il fallait le trône. He needed. Je vous donne le flambeau et je ferai tomber ceux qui sont assis sur le trône. Amen. Those who are on your throne. Amen. Amen. Ceux qui sont assis sur le trône là. Those who are tombés dans le nom de Jésus. We are down in the name of Jesus. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être renversés. Because c'est ça l'action prophétique. That is what we call the prophetic action. Ce qui caractérise un prophète, c'est l'action prophétique. The action. Je suis venu consacrer le village. The job of the prophet. Changer les temps. I've come to sanctify, the village. Vous êtes des champions. And change things. You are champions. Vous savez que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. You know, la grâce. This figure 5. Oh, la grâce est un don hérité. And the grace. Je viens de vous donner votre trône. I've just come to give you your throne. Celui qui installe le roi, c'est le prophète. Celui qui le consacre. Amen. The kings are consecrated by the prophet. Le premier va s'approcher. The first one to come here. Ça construit comme un hôtel. En qualité de prophète de l'Éternel que je suis, c'est une action prophétique. In the quality of prophet of God, I am. Comment? Il faut toi. Ça. Et en qualité de prophète de l'Éternel que je suis. In the quality of prophet, je viens en tant que. Tu vas commencer par le body toi. Ok. Commencez par le commencement là, c'est important. Je viens en qualité de prophète de l'Éternel que je suis. I'm here as a prophet of God. Je vais donner ce que l'ennemi t'avait volé. To give you back what l'ennemi t'avait volé à cette famille. Has stolen. Vous redonnez le trône. To give you back your throne. Et que tous ceux qui étaient assis sur ce trône. And may all the people on your throne. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je les détrône. C'est après midi. Dans le nom de Jésus. I destroy them in the name of Jesus. En tant que prophète de l'Éternel, as the prophets, symboliquement, je donne comme le flambeau. Symbolically, hear what you have.
c'est un rameau. C'est comme un flambeau. A twig. Parce que la vie est faite de combat. Because life is a fight. Fanny quoi? Bonibois. Vous ne devez plus faire de combat. No more you have to lose in fights. Tous les combats qui vont se présenter. Every fight that will happen. Vous devez remporter toutes ces victoires. You have to. Parce que Jésus est mort à la croix. Because Jesus is dead. La victoire. Amen. Sur la mort. So that we can have sur la pauvreté. Over poverty. Over death. Comme vous avez décidé vous-même. As you have all de marcher désormais avec Dieu. To work with Jesus. Et notre Dieu c'est Jésus. And our God is Jesus. Il n'y a pas je dis, il n'y a pas je dis, c'est Jésus. Our God is Jesus. C'est ce qu'il dit toujours aux gens. That's what I used to say to people. Ne discute pas, si vous voulez faire ça, excusez-moi, je ne discute pas de ça. Il n'y a pas je dis, il n'y a pas je dis, moi mon Dieu c'est Jésus. My God is Jesus. C'est pas l'entrée d'un débat. C'est Jésus là, il a tout vaincu. Il dit tout accompli. And had accomplished everything. I'm giving you what the devil has stolen. John chapter 10, verse 10, the enemies come to steal you. I'm giving you back what he has taken. Symbolically, this twig. I'd like to reward you for you. Je vous redonne la santé. I give you back health. Je vous redonne la richesse. Amen. Je vous redonne la prospérité. Prosperity. L'honneur. Honor. Parce que le déshonneur vient du diable. Because the dishonor comes from the devil. Que cette bénédiction demeure de génération. May this blessing stay from generation to generation. Cette famille. Amen. And be tied to this family. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Désormais, cette famille est déclarée consacrée à l'Éternel. This family is consecrated. Aucun pouvoir de la sorcellerie ne pourra prendre le contrôle. No power of witchcraft can take control of this family. Tous ceux qui vont vouloir s'élever contre vous. And those who are going to stand against you. Qui rencontre la main de Dieu. Will meet the hand of God. On dit amen. We say amen. Regarde ta place. C'est ma famille. Gludou Alem. Comment on appelle la famille? Gludou Alem. The second family, Gludou Alem. Oui, je vis en qualité de prophète de l'Éternel que je suis. The prophet of the Eternal. Donnez ce rabot symboliquement, c'est comme un flambeau. Symbolically, this twig, make a reward. Vous donnez le trône. To give you the throne. Vous donnez ce que l'ennemi vous a volé dans cette famille. To give you what has been taken. La santé. By la the richesse. Enemies. La gloire, l'honneur. Honor. Glory. Et que tout ce qui est assis sur le trône. And all those who are on your throne, of the wicked of the families, destroying everything in your family, may they meet the in the name of Jesus. I make them fall down in the name of Jesus. If there is a sorcerer or witch in your family, this one. Fall in the name of Jesus. On n'entend plus parler des morts, des crimes spirituels. And no more speaking about death. Que ce soit la mort naturelle. Spiritual crime. Pas une mort provoquée par une personne. Death provoked by another one. Vous établis dans tout votre droit spirituel. Je rétablis. Je vous rétablis. Re-establish. Viens ici, suis-moi, s'il te plaît. Coupe la caméra, la coupe ça. Ce n'est pas un filmeur. La puissance de Dieu. The power of God. Maintenant même. Right now. Je déclare toute cette famille dédiée à Dieu, consacrée à Dieu. Amen. Declare all this family. Toutes les vilaines choses. All the bad things. Sont désormais chassées de cette famille. Are now chased from this family in the name of Jesus. Si on ne prend pas de richesse que ça soit à vous. Speaking about wealth. La santé, la bénédiction. Your family must be s'attache à vous. Health. De génération en génération. From generation to generation. Et tous ceux qui vont vouloir s'élever. And those who are going to stand against cette bénédiction. This blessing. Rencontre désormais la bénédiction. May meet God's hand. Sois béni. Be blessed.
comment appelle le village, la famille? Darboa. Darboa. La qualité de prophète de l'Éternel que je suis, frère Darboa, si on mot, I give you this twig, like a flambeau, because you are a champion. Je t'établis cet après-midi. D'abord, je détrône ceux qui sont assis sur le trône de votre vie. Make fall down all those who are on your throne. J'ai détruit le pouvoir de la mort. I destroy the power of death. La pauvreté, la misère. Poverty, misery. Du non-engloutissement. Non-accomplishment. Et que tous ceux qui étaient assis sur le trône. And all those who are on your throne. Soient détrônés maintenant. Must be destroyed. Je répands le trône. And I give you back au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vous fais asseoir, famille, dans la richesse. May your family be in the wealth. Health, blessing, dans la gloire, glory, au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te déclare consacré famille à l'Éternel, et que désormais, même s'il existait mon jeune d'arbre, qu'il soit que son pouvoir soit neutralisé à jamais. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de la sorcellerie par la puissance qui est dans le sang de Jésus. By the power, je déclare consacré the power à Jésus. Jesus. Amen. 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 En tant que prophète, of the prophets, de l'Éternel que je suis, of the Eternal, je veux te remettre ce rabot. Just come to give you this twig, symbolically, comme un flambeau, as a torch, parce que tu es un champion, because you are a champion. Le ciel et la terre, the sky, est témoin de cette action, and the earth is, tous ceux qui étaient assis sur le trône de votre vie, of this action, all those vous empêchaient d'avancer. D'émerger, preventing you de connaître la bénédiction, la gloire, to have blessing, glory. Je les chasse de ce trône. I chase them. Et vous allez je fais trône. Comme champion, as a champion, j'attache à toi la prospérité, I give you prosperity, la santé, l'honneur, and l'élévation, wealth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tous ceux qui vont vouloir désobéir au sein de cette famille, going to stand against je rentre en contact avec tous les mangeurs d'âmes, que je neutralise leur pouvoir. Tous ceux qui vont vouloir maintenant désormais attaquer des gens sorcelleries, ils tombent sur le jugement de Dieu. May they fall down. Je te déclare consacré à Dieu, famille, au nom de Jésus. And you are consecrated in the name of Jesus. Je te donne, I give you ce rameau comme flambeau, this flambeau, parce que tu es un champion, famille, because you are a champion. Que tous ceux qui t'assistent depuis longtemps sur le trône de May all those who were on the throne de cette famille, qui empêchaient cette famille d'avancer, preventing this family to go ahead, de prospérer, to have prosperity. Je déclare que la lumière est arrivée à apparaître dans votre vie, that the light, et je chasse tous ceux qui sont assis sur le trône. And I chase all those la pauvreté, la misère, I destroy poverty, misery, au nom de Jésus in the name of Jesus Christ, of Nazareth, dans la richesse, dans la gloire, dans la prospérité, wealth, glory, prosperity. Je déclare cette famille consacrée à Dieu. Je rentre en contact avec tous les mangeurs d'âme. Tous les sorciers de cette famille, je les détrône au nom de Jésus-Christ. Je les maudis leur pouvoir, les destructions. Et toutefois, qui se livrera contre vous, ils rencontrent la main de Dieu. And those who are going to stand et les femmes consacrées the hand of God. Au nom de Jésus à Dieu. And all you consecrated in the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tearing for Jesus. Ce qui je suis en train de faire une grande portée sur le plan spirituel. What I'm doing has great. On vient de vous redonner ce que l'ennemi vous a volé. You just come to take back what your enemies have stolen. Va désormais caractériser les familles grignant. Health. Vos enfants iront à l'école, seront les meilleurs. Your children will be
as long as it will be the best. People shall no more arrest you. Because the prophets, you are right now established with all your rights. The devil is not the master of this land. It belongs to my Father, God. The devil is not the master of this land. The devil is the creator of God. Et avec Jésus-Christ, je suis au-dessus de Satan. With Jesus, I'm above the devil. Il ne régnera plus sur vous. And no more reign. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vous établis dans tous vos droits. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Chef, papa, vous avez un chef ici, non? You have a chief here. Est-ce qu'on a déjà intronisé? Non, pas encore. Laissez-moi l'introniser. Let me give you the throne to the chief. Je n'attends pas pour l'acclamation. Amen. 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 J'ai dit, si on vous dit vous êtes trop spirituel, dites merci. Parce que vous voyez clair. Le jour où on vous dit tu es trop spirituel, vous dites merci. And then parce someone said to you that you are spiritual, it's a thank you. Or, quand on n'est pas spirituel, on est aveugle. When we are not spiritual, we are blind. Quand on est trop spirituel, on fait de bonnes lectures. When we are really spiritual, c'est ça qui fait spirituel. Pourquoi? Parce que